Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'instant du prophète et écoutons ensemble le témoignage de cette semaine. C'est un avertissement solennel. We don't know what time. Nous ne savons pas à quel moment. You don't know what time that this city one day is going to be laying out here at the bottom of this ocean. Et vous ne savez pas à quel moment un jour cette ville va se retrouver au fond de cet océan ici. Oh, Capernaum, said Jesus. Oh, Capernaum, a dit Jésus. Thou who exalted into heaven will be brought down into hell. Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. For if the mighty works have been done in Sodom and Gomorrah, it had been standing to this day. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, elles subsisteraient encore aujourd'hui. And Sodom and Gomorrah lay at the bottom of the Dead Sea, and Capernaum's in the bottom of the sea. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte, et Capernaum est au fond de la mer. Thou city who claims to be the city of the angels. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges. Who's exalted yourself into heaven. Toi qui t'es élevé jusqu'au ciel. And sent all the dirty, filthy things of fashion to think. Et qui a propagé toutes les saletés et les obscénités de la mode et autres. Even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Your fine churches and steeples and so forth the way you do. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire. Remember, one day you will be laying in the bottom of this sea. Souviens-toi, un jour tu seras au fond de cette mer. You're a great honeycomb under you right now. Maintenant même, ton sol est criblé d'alvéoles, comme un gros nid d'abeilles. The wrath of God is belching right beneath you. La colère de Dieu gronde juste au-dessous de toi. How much longer you'll hold this sandbar hanging over that? Pendant combien de temps encore va-t-il maintenir ce banc de sable suspendu au-dessus? When that ocean out yonder a mile deep will slide in there, plumb back to the salt and sea. Alors que l'océan là-bas, à une profondeur d'un mille, va se glisser à l'intérieur jusqu'à Salton Sea. It'll be worse than the last day of Pompeii. Ce sera pire que le dernier jour de Pompéi. Repent, Los Angeles. Repends-toi, Los Angeles. Repent the rest of you and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Et tous les autres, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. L'heure de sa colère est venue sur la terre. Flee while there's time to flee and come into Christ. Fuyez pendant qu'il est encore temps de fuir et entrez en Christ. Let us pray. Prions. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. Voulez-vous aussi expérimenter votre guérison? Écoutons ensemble cet extrait de la bande du prophète William Marion Branham. Now, notice, he'll conquer and almost has in his grip right now
while he's still Antichrist before he becomes beast, you talk about cruel punishment. You just wait. Watch what them that's left here on earth will have to go through with. Maintenant, remarquez, il va conquérir. Et il a presque déjà l'emprise en ce moment, pendant qu'il est encore l'Antichrist, avant de devenir la bête. Vous parlez de châtiment cruel. Attendez seulement. Regardez ce que ceux qui seront laissés sur la terre devront supporter. Oui. There will be weeping and wailing and gnashing of teeth, for the dragon, Rome, spurted water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that was left upon the earth. After the bride had been selected and took out. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, car le dragon, Rome, lançait de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, ceux qui étaient restés sur la terre, après que l'épouse avait été choisie et enlevée. Et le dragon a fait la guerre au reste. Il ne voulait pas entrer, alors ils ont été pourchassés. But you see, they are done under this blood by the grace of Christ. Et la vraie Église aurait à subir cela si c'était possible. Mais vous voyez, ils sont déjà sous le sang, par la grâce de Christ. Alors ils ne peuvent pas passer par la tribulation. Il n'y a pas de période de tribulation pour eux. La prochaine chose pour l'Église, c'est l'enlèvement. Amen et Amen. On pourrait continuer là-dessus. Oh, j'aime vraiment ça. Let me tell you, we're telling what a conqueror he's going to do, and he's really going to conquer. He's already done it. It says already sold up, that's done. Go short for the money, filthy lucre, exactly. They love money more than God. Je vais vous dire, nous parlons de la conquête qu'il va faire. Et il va vraiment conquérir. Il l'a déjà fait. C'est déjà dans la poche. Voilà tout. Ça va se régler par l'argent. Un gain sordide. Exactement. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Tout ce à quoi ils pensent maintenant, c'est combien a-t-il d'argent? Qu'est-ce que c'est? Give the church the money, and she'll revolutionize the world. Give the church the money, and she'll send evangelists all over the world. And what will she do? She will conquer the world for Christ. Vous savez, on a souvent dit, donnez l'argent à l'Église, et elle révolutionnera le monde. Donnez l'argent à l'Église, et elle enverra des évangélistes dans le monde entier. Et que va-t-elle faire? Elle va gagner le monde à Christ. Let me tell you something, my poor blind friend. The world's not won by money, but by the blood of Jesus Christ. Give God man whose gallant man will stand there on that word, live or die. That'll conquer. Je vais vous dire quelque chose, mon pauvre ami aveugle. Ce n'est pas par l'argent que le monde est gagné, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes vaillants, qui vont s'en tenir à cette parole, à la vie, à la mort. C'est ça qui va vaincre, oui. Les seuls qui pourront vaincre, ce sont ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Ce sont les seuls qui l'écouteront. L'argent n'aura rien à y voir. Il les enfoncera encore plus dans les traditions de leur dénomination. Yes, with educational genius he'll be. He'll be smart, my, and all of his children around him will be smart. PhD, LLD, double LD, QSD, ABCD, F, on down to Z. He'll have it all, smart. Why? It's after the order of Satan. Voyons un peu.
Oui, ce sera un homme de génie, avec beaucoup d'instructions. Il sera intelligent. Oh là là, là là. Et tous ses enfants autour de lui seront intelligents. Doctorat en philosophie, doctorat en droit par-ci, doctorat en droit par-là. QSD, A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Ils auront tout ça. Ils sont intelligents. Pourquoi? C'est selon le modèle de Satan. Toute ruse astucieuse qui s'oppose à la Bible vient de Satan. That's exactly what he took Eve with. Eve said, oh, it's written, God said first not to do that. He said, but wait, surely God won't do it, but I'll open your eyes and give you some wisdom. She got it. C'est exactement comme ça qu'il a attrapé Ève. Ève a dit, oh, il est écrit, Dieu nous a dit de ne pas faire ça. Il a dit, mais attends, sûrement que Dieu ne le fera pas. Voici, je vais t'ouvrir les yeux et te donner de la sagesse. Elle l'a reçu. We've been wanting him, we got it too, this nation. Notice, he'll conquer the whole religious world. He'll conquer, make a covenant with Daniel's people. Here it is, both in the Gentile and in the Daniel's people, the Jews for the last week. On voulait l'avoir. Nous aussi, on l'a eu. Cette nation l'a eu. Remarquez, il va conquérir le monde religieux tout entier. Il va conquérir. Il va faire une alliance avec le peuple de Daniel. Le voici, à la fois chez les nations et chez le peuple de Daniel, les Juifs, pour les dernières semaines. And here we are, even drawn out on boards, and you see it perfectly, there's where it is. Thank God, there he is. That organizational system is of the devil. Amen. That's no punches pulled on it either. Exactly. It's a root of the devil. Et voilà où nous en sommes. C'est même dessiné sur des tableaux. Et vous le voyez parfaitement. Voilà ce qu'il en est. Dieu soit remercié. Le voilà. Ce système d'organisation, c'est du diable. Et je ne prends pas de gants blancs là. Voyez, exactement. C'est la racine du diable. Next time I come by, these trumpets sounding. Remember when them last angels, that third angel come across? Come out of her, my people! C'est pas les gens maintenant, pas les gens qui s'y trouvent. Ce sont des enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux. Mais savez-vous quoi? Quand on en arrivera à l'endroit où ces trompettes sonnent, et la prochaine fois que je serai avec vous, ces trompettes qui sonnent, souvenez-vous, quand il, le dernier ange, ce troisième ange est passé. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand cet ange vole, en même temps le message est apporté ici pour la dernière trompette. Le message du dernier ange, l'ouverture du dernier sceau. Tout cela arrive en même temps. Oui, monsieur. On hisse toutes les quilles et tout passe dans l'éternité. L'instant du prophète, stop et fin. Je vous retrouve dans deux semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse.